Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 20 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pas de retour sur le quintet de la veille cette fois, mais plutôt un peu de publicité pour notre site. À ceux qui veulent s'amuser quotidiennement en pariant gratuitement, rendez-vous sur le site turf-fr.com à la rubrique concours, puis concours de pronos gratuits pour vous inscrire et lutter chaque jour avec nos meilleurs internautes. Ce concours ludique et amusant vous permettra d'avoir l'aspect compétition tout en n'engageant pas de précieux euros. Rendez-vous donc sur le site, les amis. Allez, abordons maintenant le quintet dominical du 20 septembre 2020. Direction la Cendrée parisienne et l'hippodrome de Vincennes pour assister au prix d'Ancenis. Cette très belle course européenne portant le label Course D réunira des trotteurs d'âge de très belle qualité. Quelques candidatures se détachent avant coup et sur le tracé des 2850 mètres de la grande piste, les meilleurs pilotes devraient théoriquement faire la différence lors d'une course où les rapports dans l'ordre pourraient être très amusants. Desperado, le numéro 8, est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui n'affiche pas une très belle musique actuellement. Seulement déféré des 4 et avec le chef aux manettes, nous pensons qu'aujourd'hui, il va remettre les pendules à l'heure et s'imposer de toute une classe. Diamond Charm, le numéro 12, est lui en très grande forme. Restant sur 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives, dont les 2 dernières sont victorieuses, déféré des postérieurs et piloté par Jean-Philippe Dubois, il peut espérer tripler la mise dans ce quintet plus à sa portée. Cabernet, le numéro 1, est un représentant de l'entraînement de Peter Marie qui fait bien actuellement. S'entendant merveilleusement bien avec Mathieu Abrivard et déféré les 4 pieds, s'il n'est pas trop loin des premiers à l'entrée de la phase finale, il va une nouvelle fois terminer très vite. Sobel Conway, le numéro 3, est un deuxième atout de l'écurie de Jean-Michel Bazir. Sans chaussures et piloté par le fiston Nicolas, il peut largement rivaliser avec les chevaux français de la course. Diane Winner, le numéro 13, est un élève de Sébastien Garato qui n'a rien à se reprocher. Toujours 3e, 4e ou 2e, il mériterait de remporter une épreuve de ce genre. Donuts de la Doue, le numéro 5, lui aussi déchaussé, partira avec la grande confiance de la famille Moquet. À Pierre Well, son pilote, de faire la différence à ses commandes. En cas de non partant, Baccarat de Niro, le numéro 10, expérimenté, entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, comme toujours, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus dominical à tous et à demain pour une énième minute quintet.